Bonjour, je vous fais une petite vidéo pour vous présenter cette clé USB CarPlay. Alors, elle me permet d'établir une connexion entre mon système AirLink 2 avec l'option CarPlay activée, voilà, ainsi que sur mon iPhone, voilà. Super sympa, je pourrais utiliser les applications téléphone, messages et autres, voilà. Alors, moi, d'origine, justement, j'ai deux entrées USB qui me permettent justement de la connecter soit ici ou soit là, tout simplement. Elle est fournie avec deux adaptateurs, un adaptateur coudé USB-A et un petit câble justement USB-A femelle vers USB type C. Voilà, tout simplement pour brancher la clé USB ici et à l'USB type C selon la configuration du système du véhicule. Voilà, quand même bien s'assurer que le véhicule soit compatible CarPlay, hein, voilà, que le système de navigation soit compatible CarPlay. Alors, dans un premier temps, il faudra la brancher. Voilà, il faudra la brancher et ensuite se rendre dans les paramètres Bluetooth de son iPhone. Voilà, on se rend dans les paramètres Bluetooth et on appaire et synchronise la clé USB avec son smartphone. Voilà, mais pour cela, il faudra quand même qu'elle soit alimentée. Voilà, alors bon, moi je l'ai faite au préalable. Hein. Voilà, hop, c'est pas très compliqué. Hein. Voilà, bon, là, dans quelques secondes, il devrait apparaître CarPlay ici. Voilà, à ce niveau-là. Là. Voilà, ici. On attend quelques secondes justement avant d'appuyer sur la touche. Il est fourni avec une notice aussi qui n'est pas traduite en français. Hein. Voilà, c'est une notice d'instruction. Hein. Voilà, comment l'installer, comment... Mais bon, ce n'est pas traduit en français. Ça n'a pas été très difficile pour moi de comprendre son fonctionnement. Voilà, je suis allé simplement dans les paramètres Bluetooth. Je l'ai appairé et synchronisé. Et cela a fonctionné. Voilà, j'appuie ici. Voilà, et il va directement sur CarPlay. Super sympa. Voilà. Alors, on a les applications principales hein, qui sont compatibles, bien sûr, avec CarPlay. Hein. Voilà, GPS. Voilà, nous avons plan, message, téléphone, musique. Voilà, et quelques applications. Ici, là, on a des touches, justement, d'accès rapide. Voilà, directement. Hop. Voilà, voilà. En tout cas, bon, moi, je suis satisfait de l'utiliser dans ma Renault Mégane et ça fonctionne très bien. Franchement, pour le moment, j'en suis très, très satisfait. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous remercie de l'avoir visionnée. Merci.